Il paraît que les motards sont des dangers publics. J'ai l'impression que les deux roues sont prioritaires sur tout le monde. Ils coupent la route, ils passent n'importe où, droite, gauche. Ils sont souvent en groupe, c'est-à-dire qu'en fait, il y en a plusieurs devant nous et on a du mal à les doubler. Les motos se croient les maîtres de l'asphalte. J'ai l'impression que les soies sont plus agiles, plus rapides, donc ils font encore plus n'importe quoi. Ils sont peut-être même pires, ils roulent sur les trottoirs sans hésiter. Un mot associé à motard, abruti. Imprudent. C'est dangereux. Pour gagner 5 secondes, ils vont provoquer des accidents. Enfin, c'est insupportable, quoi. Stop. En deux roues, 8 accidents sur 10 ont lieu avec un automobiliste. Dans plus de 2 accidents sur 3, le conducteur de deux roues n'est pas responsable. Dans 50% des accidents avec un scooter ou une moto, l'automobiliste ne l'a pas vu, ou trop tard. Qui est responsable? Et si on arrêtait de nous monter les uns contre les autres? La Mutuelle des motards milite pour une meilleure formation pour les deux roues, mais aussi pour les automobilistes avec une initiation aux deux roues dans le cadre du permis de conduire. Mutualisons la route.